Depuis 40 ans, nous avons régulièrement croisé le sillage de ce marin généreux, de ce prêtre atypique, au caractère bien trempé. Tous ceux qui l'ont rencontré ne l'oublieront jamais. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ah, ça y est, il est parti. Il est en route. En route. Sur sa route à lui, Michel Jaouen a toujours gardé le cap. C'est bon, là, pour la misaine, c'est bon ! Forcément. Quand on est curé, breton, avec un bateau pour paroisse, les seuls repères sont l'amour et la mer. Quand vous êtes en mer avec l'étoile polaire, vous savez toujours où vous êtes. Eh bien, pratiquement, avec aimez-vous les uns les autres, vous faites le tour du monde. Hein. Tout le reste, c'est du superflu, tout le reste, c'est du commentaire. Oui. C'est pas des mots. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Attrape le Bastia ! Attrape-le, là ! Attrape-le ! La mer, c'est un outil comme un autre. Choqué sur ma bord ! Le bateau, par exemple, c'est un instrument facile, c'est un outil facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, par conséquent, ça les effraie, s'imaginent des choses extraordinaires, alors qu'en réalité, c'est un outil qui facilite beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, parce qu'en fin de compte, moi, c'est un problème de communication, faire communiquer les gens. Oui. Sur un bateau, ça va tout seul. C'est forcé, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Si bien que c'est un outil qui vous facilite le boulot. Son boulot ? Aider les autres à reprendre pied. Michel Jaouen aura passé un demi-siècle à embarquer des dizaines de milliers de personnes pour leur faire traverser l'Atlantique ou des passes difficiles. On nous colle l'étiquette, on a l'étiquette. C'est le bateau des drogués. Et là, il n'y a pas longtemps, dans le sas de Saint-Malo, là, j'entendais les gens sur le quai. Oh, quand même, hein. Regardez leurs yeux. Hein. On voit bien qu'ils sont drogués. Hein. Et le manque de pauvres, vous savez qui c'est ? C'est les élèves de Polytechnique. Alors oui, ils sont peut-être drogués, mais d'une autre façon. Il y en a des quantités de drogue, il y en a des quantités d'autres. Le problème, c'est pas le produit. Le problème, c'est pourquoi les gens se droguent. Le parler vrai et les bonnes questions. Le jésuite de la mer a toujours gardé les pieds sur terre, mais jamais la langue dans sa poche. Finalement, les gens qui mènent le monde actuellement, ce n'est pas les politiques. Les politiques ne sont jamais que des balayeurs. C'est les grosses sociétés internationales, c'est les sociétés, les banques et les gens qui tiennent le pognon. C'est ceux-là qui commandent. Pas forcément très bien, ça, quand même. C'est pas possible, mais c'est pas un choix. C'est le monde capitaliste, il est comme ça. Il faut vivre avec, hein, pour le moment. Mmh. Mais les politiciens sont des petits magouilleurs de quartier. Ils vont être contents. Ça, je m'en fous. Comme j'en attends rien. Seul maître à bord pour mener son chemin. L'unique credo du père Jaouen, brasser en permanence les gens et les genres. On mélange. Puis il faut mélanger. Et ça les réinsère. C'est ça le problème, c'est de se réinsérer. De redevenir normal, même d'abord, avant tout, à leurs propres yeux. Et puis en fait, c'est comme ça que les choses se passent. Et qu'en fait, ils se découvrent réciproquement parce qu'ils ont autant de préjugés les uns que les autres. Hein. Yeah. Une vieille dame là, qui discute en traversant l'Atlantique avec tel ou tel de nos clients qui sont effectivement en problème affectif, ben vous les voyez discuter ensemble, vous dites bon, ben c'est bon, ça va. Il a trouvé sa grand-mère et elle a trouvé son petit-fils. Le mélange, la mer, l'amour et Dieu dans tout ça. Si j'étais pas jésuite, si j'étais pas curé, je serais certainement pas là. Et si je prends pas le problème à l'envers. Ouais. Parce que je ferais pas ça pour le plaisir et je ferais pas ça pour me promener, vous voyez. Je ne ferai pas ça pour gagner de l'argent, par conséquent, il faut une autre raison pour le faire. Oui. Ce pourrait être une vocation. Je ne sais pas, parce que vous appelez vocation. C'est à vous de définir le terme, c'est pas à moi. Un appel Non. J'ai rien reçu. Ni en recommandé, ni en accusé de réception, ni. Non, je n'ai pas tombé du ciel. Non, je n'ai pas eu d'apparition. Et heureusement, parce que ça m'a angoissé, oui.
J'aurais eu peur, si vous voulez, une apparition. D'ailleurs, j'aurais foutu le camp, en vitesse. Non, c'est passé comme ça. Je m'y trouve bien. À la limite, c'est de la paresse et du confort. Michel peut se reposer confortablement. Il a laissé une feuille de route et ne se fait aucun souci pour ceux qui prendront la relève. Ils se merdent bien, là. Ils sont nombreux, là. Ils peuvent se démerder. Le principal, c'est que ça tourne. Et puis, démerdez-vous pour être heureux, parce que les autres ont besoin de votre bonheur. Ouais. Ça va.